declare Councillor Yeti being elected as Deputy Mayor for the Municipal Council of Vacua Phoenix for the year 2011 until the municipal elections are held. Deputy Mayor to take his seat. Propriété, c'est un habitant ou un joaillier. Quand un habitant joaillier veut dire un travail bien fait. C'est un peu de mon discours qui, quand une population du joaillier veut dire un travail bien fait. Donc avec sa nouvelle équipe, donc un habitant va quoi c'est qui fait expérience. Non, pas une nouvelle équipe. L'équipe, c'est une équipe 5 et un nouveau travail, comme une équipe sudée, comme on dit. Une équipe sudée, le travail pour team building, team spirit. Alors, vous pensez qu'il y a un habitant, vous trouvez le résultat. Vous avez trouvé le résultat, et il y a un premier qui est venu. Parce qu'il nous a fait du monde. Et c'est bien pour après 15 ans de dévouement pour la municipalité, à DN, on le récompense. Je veux dire qu'il y a un discours qui va pour un adjoint passif, comment dire, très... Non, c'est ça. Un adjoint, il vient à côté sur le maire, travaille et peut le lire, peut le faire, débloquer la bonne situation. Donc, discutez dans quelques mots pour l'ancien maire, je tiens à voir. Non, mon père, il fait un bon dire, oui. C'est pas le fait d'un nier qu'il blesse le conseil, et simplement, il n'allait pas sur... Parce qu'il est malade, il passe en tidi, il fait frustrer. Je souviens bien que moi, le fait qu'ils soient un homme public, j'observe doublement vigilant. Doublement vigilant, parce qu'on fait du private life, on a private life, mais c'est mixé avec politique. Alors nous êtes doublement vigilants. Alors nous devons connaître qui nous fait, quand nous fait, quoi faire. Au public. D'accord. Et qui est votre priorité un peu? Propriété, c'est une équipe qui nous commence un travail 5 ans. Alors nous pouvons terminer le mandat. Et nous pouvons essayer d'améliorer les affaires qui restent pour faire. Pas de projet qui reste pour faire. Nous avons terminé et nous avons une priorité qui nous va faire et qui nous reste pour faire. D'accord.